Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui on va vraiment travailler un exercice que j'ai pu travailler au stage Adidas avec Raphaël Agaïef notamment. Hein. Un exercice vraiment très... où il faut se mettre en situation. Donc beaucoup, cet exercice se fait à deux. Mais ce que j'ai bien aimé dans cet exercice, c'est que on va vraiment venir faire barrage avec les mains, vous voyez. Se concentrer aussi sur anticiper les mouvements de son adversaire. Vous voyez, quand il attaque là, bam, bam, kizami, gaku, bam, bam, ici. Vraiment être capable de sentir ce, voilà, qu'avec ce barrage on peut bloquer, on est suffisamment, voilà, et que ça fait aussi antenne, vous voyez, que ce soit dans la boxe ou dans le karaté. Franchement moi je trouve que pour moi avoir un bon bras avant, c'est vraiment très intéressant, vous voyez, très très intéressant. Et c'est vraiment bien de travailler ça, cet exercice. Donc c'est vraiment faire antenne avec les barrages avec les mains, et ça peut remettre sur une remise ou sur, voilà, et toujours garder l'objectif d'être relâché. Vous voyez, vraiment être relâché ici. C'est le même exemple que par exemple que vous regardez pour un jab, ou même pour, voilà, vous voyez, quand vous êtes ici, jab, vous voyez, pam, vous voyez le jab, vraiment être relâché, hein, pam, voilà, c'est vraiment tendre, tout simplement, hein, vraiment pousser, connecter. C'est l'exercice que j'avais montré ici. Ici, vous voyez, ici. Voilà, vraiment connecter tout ça. Voilà, vraiment se sentir connecté. Toujours travailler ce TG Wave. Hein. Bam, bam, bam. Voilà. Bim, bam. Crochet. Crochet, vous voyez. Crochet du bras avant. Bam. Être à l'aise dans les deux. Voilà, bam. Avoir, être capable de. Voilà, vous voyez. Ici. C'est vraiment être simple. Bam, 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 bam. Vraiment être bien avec son. Et avec son corps. Bam. 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 Voilà. Et bien pour moi. Vous savez, des hachibarai, des sanchi hachidashi, vous voyez, ici, vous voyez, voilà. Pour avoir une idée, c'est comme dans Karate Kid, vous savez, le tout premier avec Maître Sensei Miyagi, frotter, illustrer, vous voyez, c'est à peu près le même système. Voilà, c'est ça qu'on va venir travailler. Donc, un exemple, vous êtes là, donc c'est un exercice qu'il faut travailler à deux. Hein. Moi je le fais tout seul, hein, parce que bon, je me mets dans la tête, parce que si j'ai un partenaire c'est bien, mais vu que je m'entraîne souvent tout seul, et que je vous donne des méthodes pour m'entraîner tout seul, l'homme qui n'a pas d'imagination reste sur terre. Ça c'est Mohamed Ali qui disait ça. Et donc j'imagine, je perçois, c'est comme les katas, je perçois un adversaire, donc c'est ça. C'est vraiment venir faire barrage avec ses mains et être vachement mobile du buste. Vous voyez, ici. Bam. Venir ici, vous voyez. Sentir. Bam. Déjà, le fait de venir faire barrage, ça permet de plus. Vous voyez, bam. De plus venir sentir l'adversaire. Vous voyez. Bam.
Bam. Allez. Ça peut prendre le même système. Un barrage avec ses mains. Bam. Bam. Ici, vous voyez. Bam. Ici. Vraiment faire barrage. Sentir que son buste est là. Bam. Bam. On fait faire barrage. Bam. Ici. Sentir. On peut remiser. Ici. C'est le même système. Vous travaillez ça vraiment. Coordination. Voilà. Sentir. Bam. Allez. C'est à peu près le même système. Ici. Bam. Bam. C'est à peu près le même système. Allez. Ici. Bam. Voilà. Bam. Bam. C'est à peu près le même système. Sentir que bam. Ici. À peu près aussi les mêmes exercices que comme disait Gaël. On fait de la flûte et le serpent il est là. Sentir être en harmonie avec son